Je suis partagé entre déception et on va dire tristesse parce que j'ai pris la décision d'arrêter, de mettre fin à ma saison parce que c'est pas la première agression et ça m'est la première durant après la première agression j'ai été égoïste. J'ai pensé à ma famille, enfin j'ai pas pensé à ma famille et mon entourage. J'ai voulu continuer l'arbitrage, ma passion. Tandis que maintenant ça touche à mon entourage, à ma famille, mes proches sont injuriés ou invectivés partout où ils vont. Et j'ai plus envie d'être égoïste, j'ai envie de penser à mon entourage et à moi-même aussi parce que moi-même je suis un petit peu touché. Touché par ça et touché par le fait que mon évolution dans l'arbitrage soit atteinte. Parce que il ne faut pas oublier que j'ai 25 ans et que j'estime avoir eu pour l'instant un parcours atypique et surtout un parcours réussi. De mon point de vue, j'essaye de continuer à gravir les échelons et à porter haut les couleurs de l'arbitrage martiniquais. Et voilà, je me retrouve bloqué entre réflexion et envie. Et voilà, je pense que je prends la meilleure décision pour moi et mon entourage. Ce n'est pas normal que cela arrive dans le sport. Non, ça n'est pas normal quand ça arrive dans le sport tout court, pas dans le football seulement, mais dans tous les sports. Il faudrait qu'on soit à même de respecter l'arbitrage et de comprendre que dans tous les sports, et que c'est un jeu, il faudrait aussi comprendre que le jeu s'arrête au coup de sifflet final. Il faut prendre du recul sur beaucoup de situations et respecter aussi la vie des arbitres. Respecter aussi la vie des arbitres parce que l'arbitre c'est un être humain, c'est pas un robot. Il a aussi des proches, il a aussi une famille, il a aussi un cœur. Et c'est simplement ça que j'aimerais qu'à l'avenir les gens puissent comprendre. Vous poursuivrez par une action de justice? Oui, la commission a reçu tous mes rapports et la plainte a été déposée et il faudra qu'il y ait des suites de toute façon parce que la Ligue va se saisir de tout le dossier. Et non, je ne vais pas laisser ça passer, je ne vais pas laisser cette agression passer. Y a-t-il une explication de la violence dans le sport? C'est pourtant un simple jeu. Je pense qu'il y a une certaine forme de fanatisme. Certaines personnes se rendent compte parfois que leur réaction humaine va un peu trop loin et il y a d'autres qui ne s'en rendent pas compte ou ils se rendent compte trop tard. Et je pense que c'est dans tout, hein. C'est pas que seulement dans le sport, il faudrait qu'on puisse modérer nos propos, modérer nos paroles, ne serait-ce que quand on conduit, ne serait-ce sur la route, ne serait-ce que partout, hein. La violence c'est partout et je pense qu'il faudrait éradiquer tous ces comportements-là pour qu'on puisse être un petit peu plus dans un climat serein en Martinique. Quand vous dites vous arrêtez, c'est définitif? Alors je préfère toujours dire que ma saison est terminée parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain. Mais je pense que oui, j'ai pris ma décision définitive, tout simplement parce que je ne pense pas qu'à moi cette fois-ci. Donc je pense qu'il va falloir faire sans moi. Et certains seront contents, d'autres ne seront pas contents. Mais je pense que la décision m'appartient, tout simplement.